Le 31 août 2021, la biographie Finding Freedom consacrée aux princes Harry et Meghan Markle, de leur début à leur départ de la monarchie, sera de retour en librairie dans une nouvelle version enrichie. Peu avant la sortie de cette seconde édition tant attendue, des extraits font déjà grand bruit la presse anglaise. Cet épilogue revenant sur leur vie de ces 12 derniers mois a été ajouté et, naturellement, les auteurs Omid Scobby et Caroline Durant sont revenus sur la fameuse interview des Sussex avec Oprah Winfrey. Parmi les différentes révélations choc de cet entretien, diffusé en mars dernier à la télévision, celle laissant entendre qu'un membre de la famille royale avait fait preuve de racisme avant la naissance d'Archie, en mai 2019, est celle qui a le plus secoué la couronne. Meghan Markle avait en effet affirmé que des inquiétudes avaient été exprimées auprès du prince Harry quant à la couleur de peau de leur enfant à venir, alors qu'elle était enceinte. L'ancienne actrice, alors enceinte de sa fille Lily Bay au moment de tourner l'interview, avait alors refusé de nommer qui que ce soit. La nouvelle version de Finding Freedom affirme aujourd'hui que le prince Harry et Meghan Markle ont hésité à révéler face caméra le nom de la personne qui a fait cette remarque malvenue. Finalement, face à Oprah Winfrey, le couple a préféré taire son identité, avançant que les dommages seraient trop importants. De son côté outre-Manche, le prince William aurait été furieux de voir ses histoires de famille évoquées publiquement à la télévision américaine.